Bonjour YouTube, bienvenue sur peut-être la dernière vidéo de Pikmin 4. Voilà, nous sommes sur les défis du sage feuillu. Il ne nous reste que 3 défis à faire en platine. Combien de temps ça va nous prendre? Eh bien, on ne sait pas. On ne sait pas. Numéro 8, Cohue en cuisine. Oula, celui-là, je le sens pas. Hello Twitch et bonjour YouTube. Ça y est, 15 mois dont 9 consécutifs. Je pensais pas il y a 15 mois avoir l'opportunité de sub à ta chaîne. Toi qui as été un des premiers de YouTube que je regardais étant plus jeune brioche, Kiss Brioche inférieure à 3 follow à toi et à toute ta copine. Elle a accéléré sur la fin. Merci beaucoup, Soromicia. C'est très très gentil. Merci beaucoup pour ce message. Putain, pourquoi il est pas allé dedans, lui? Le Pikmin blanc? Ok, le Pikmin blanc, il veut pas du tout se faire transformer. Pas pourquoi je recommence direct là, il faut que je fasse le niveau normalement pour voir. Au lieu d'essayer d'optimiser les 3 premières secondes. Mais putain! Allez dans la putain de fleurs! Oh! C'est dingue! Pas, ils sont insupportables. Un hommage sera rendu à la co pour service public rendu au stream. Ne dites pas ça, vous allez la trigger. Malheureux. Ouh, le timer qui est super léger.
Comme ma vertu. Je sais même pas ce que ça veut dire, ce que je viens de dire. Désolé. Alors, la puta de Flora. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là-bas, toi? C'est pas un bon plan de séparer les violets parce que j'en ai vraiment besoin ici. Et je pense qu'il faut gagner du temps là-dessus aussi. C'est à une minute que ça descend là? Ouais. Ok, je pense qu'il faut libérer le pot assez rapidement. Ainsi que le sac en papelard. Thank you.
Ah putain. C'est merdouillé ces histoires. Ce tas là, il est bien gros. Ça, c'est un bien beau gros tas, ça. Mais c'est mieux. Tu reviens sur le gros tas? Un gros tas de pépites. Aïe. Allô les Pikmin. Merci. Peut-être, ouais, j'y ai pensé, fan. C'est possible, mais je suis pas sûr qu'on en ait à ce degré d'opti. Encore que. Peut-être que si, ouais. Mais ouais, j'y ai pensé, effectivement. Allez! Thank you.
un violet, je sais pas où il est. Hein. C'est lui. On est allé si lentement que ça. Ah, on n'est pas du tout bon, là, on n'est pas du tout bon. Pizza chèvre-miel. Go se préparer ça pour ce soir, là. C'était 12, merde. Merde. Dommage.
Bonjour Maxou, bonjour Marc-Emmanuel. Bonjour à vous. J'essaye de... Putain. Je me suis trompé de bouton. Ah, tu sers à rien, toi. Une minute 01. C'est bon. Ouais, c'était légèrement chaud. Merci à Thibobo qui a claqué son prime, j'avais pas dit merci. Combien de zones à 100% toutes? Il nous reste plus que les défis du sage à platiner. Et il ne reste plus que le 9 et le 10. Le coup. Et on aura tout. Tout le reste est à 100% complété. Tout. Numéro 9. Le conflit territorial. On avait déjà une médaille d'or. C'est plutôt engageant. À quoi ressemble l'oignon? À une gousse d'ail multicolore. Thank you.
Ah oui, mais je me souviens de tout le bordel là. C'est surtout l'autre là-bas que j'avais mis du temps à tuer. Et on est d'accord que j'ai récupéré, c'est pas comme ça. J'ai un spray quand même. Faut peut-être mieux l'utiliser sur lui. Hein. Le reste était assez tranquille de mémoire. Ouais, mais les bulles blacks, c'est pépouze en fait. Hein. Surtout que je suis même pas sûr que ce soit un empereur. Chevaucher ce chien. Ah, oh, j'aime pas quand ça fait ça. Attendez, on va essayer un truc. On va aller voir pour le spray. Une immense différence de quand on avait fait un essai. Hein. Thank you.
Brioche kiss, brioche kiss, brioche kiss. Pas convaincu par lui non plus. Hein. Merci Aieltak. C'est 1 minute 30. C'est 1 minute 30 pour le platine. Enfin, il est pas... Enfin, il prend beaucoup de dégâts, en fait. Je pense que le porc épic machin là, il prend beaucoup trop de temps à être tué. Pas convaincu par le DPS des violets, alors que c'est les plus forts. Comment ça, pas convaincu? Quel boss? Sérieux, elle va pas être mort, toi? Voilà.
J'ai un bug de son. Nice! On a eu de la chance, hein. On a eu de la chance sur le... Tu vois? Je sais pas comment il s'appelle. Le boss final de Ocarina of Time, Temple de l'eau, là. Voilà. On a encore eu une médaille d'or la première fois, avec ce merveilleux oignon violet. Ah non, il y a la box qui a crash. Ça y est, it's time YouTube. It's time for me to mettre pause. J'arrive. C'est bon YouTube, j'ai redémarré le défi parce que je pense que le début, il l'avait pas vu du tout. Donc, tenons bon, il reste un défi. Le défi de l'oignon violet qu'on avait fait en rang or, donc quand même, c'est pas si loin du rang platine, vous voyez ce que je veux dire? Tenez bon, tenez vos câbles, vos fils, tenez vos connexions, je sais pas. Allez, on y croit là, on y croit, en 5 minutes c'est fini, on peut couper et puis on est content. Et le live il crache plus. Faites pas attention à cet ennemi, il est pas dangereux. Il est pas dangereux.
vous souvenez bien de cette petite surprise là. On y va, Xiang, on y va. Qui est là-bas? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce qu'il fait le chien ? Bah c'est fini ? Non ! Ça c'est le chien. C'est le chien qui a lâché son oignon. Méchant chien, là. Oula, il y avait un gros coup de... Ça a lagué. Merde, c'est pas ce que je veux. Oh, paf le chien. Non, c'est bon. Thank you.
Ces petits enfoirés qui font pas du tout ce que je leur demande. Putain, j'arrive pas à siffler! Allez! Vous voyez qu'il était facile celui-là. Quelle parfaite maîtrise du Nandori, je ne me lasse pas d'admirer tes talents, mais n'oublie pas de continuer à t'entraîner. Oh, j'ai pas besoin, regarde, tout est à fond, mon gars. Ton désir de maîtriser toutes les finesses du Nandori est évident. Bravo, novice. Reviens t'exercer quand tu voudras, je serai comme toujours ici, à t'attendre. Non, il n'y a pas une petite phrase en plus... Le 100% est validé. Oui, le 100% est officiellement validé, ça y est. On a absolument tout. Tous les défis d'Andori, tous les trésors, tous les feuillus, toutes les missions. Il n'y a que ces deux missions-là qui reviennent à l'infini pour faire fleurir les Pikmin et avoir plus de Pikmin, mais le reste, c'est bon. La mission de Louis aussi. La mission de Louis est terminée, la mission d'Olimar, enfin... Le truc d'Olimar. Le chien est entraîné à fond, tout est acheté au labo. Bah, on n'a plus qu'à se barrer. C'est la fin. Ce jeu était beaucoup trop bien. Ah, on a tous les naufragés, on a tout là, on a tout, absolument tout. Ce jeu était très très cool. À qui faut parler là pour se barrer? Je me souviens plus. Je sais pas où il est, Bernard. Je sais pas à quoi il ressemble. Décollage. Ah bah mais c'est lui, d'accord. J'ai confondu avec quelqu'un d'autre. On peut s'en aller. Le sage ne veut pas être sauvé. Le sage ne veut pas. On a essayé et il dit « Non, 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 moi je veux rester là. » Nous avons sauvé tous les naufragés et soigné tous les feuillus, nous pouvons partir sans aucun regret. Vous pouvez tous être fiers de vous et de l'excellent travail que vous avez accompli. Et maintenant, en route pour la maison. Ici le Capitaine Shepard, décollage immédiat. On retourne sur Pikmin quand le mode random sortira. Ouf! Le random. Non, non, c'est fini Pikmin, là. On a fait le 1 à 100%, le 2 à 100%, le 3 à 100%. Et le 4 à 101%. C'est fini. Oh, regarde-moi cet oignon multicolore. Non, et Pikmin, on va pas le faire à 100%.
Ah, vas-y, on va voir le gros chien. Tu sais pas qui c'est, fan de jeu? Tu verras. Tu verras. Et ça enchaîne sur Outer Wilds. La fin que nous n'avions pas attendue. Regardez-moi toutes ces stats en or. Moi, oh, l'écran de titre, je l'aime beaucoup. Il va être temps de se laisser sur ce jeu. De laisser ce jeu, surtout. Après un nombre de VOD, je sais pas, 33, allez, 36. 36 VOD, je crois. Hein. Ou 37, un truc comme ça. Bref, plein. Bah c'était très très cool, écoutez, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce Pikmin 4, je l'ai trouvé très complet. Les petits trucs que j'ai moins aimé, j'aurais bien aimé qu'il y ait plein de nouveaux monstres. Il y en a quelques-uns, mais assez peu par rapport au reste. Et je pense vraiment que quelqu'un qui découvre Pikmin avec celui-là, du coup, ne connaît pas les strats de la plupart des monstres qu'on connaissait bien. Du coup, ça doit être encore mieux de les découvrir, parce que nous, on savait. Que certaines strates voilà, étaient plus faciles que d'autres. Voilà. Et puis, non, j'ai bien aimé le retour des grottes. J'ai beaucoup aimé. Oh, on entend les notes du thème. Oh, c'est trop mignon. Bref, YouTube, des bisous. À bientôt pour une nouvelle aventure, je ne sais pas quand, je ne sais pas sur quoi, et je ne sais pas si, voilà, quand il y aura internet, ok? À bientôt.